Salam alaikum wa rahmatullah. Alors aujourd'hui, je souhaite vous raconter une histoire qui a eu lieu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui est très riche d'enseignements. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la bataille des coalisés, qui est très célèbre, il souhaite se rendre au sud de la ville de Médine chez les Bani Qurayza, qui est une tribu qui a trahi ses engagements politiques et citoyens avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam en s'alliant aux coalisés. C'était un ensemble de tribus venues attaquer Médine et venues tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais alhamdulillah, ils ont échoué. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est au centre de Médine après que les coalisés soient partis et il veut se rendre dans le quartier des Bani Qurayza. Et donc, il fait la prière du Zohr à la mosquée et ensuite, il s'adresse aux croyants en leur disant qu'il faut presser le pas, en réalité, hein, et qu'il ne faut pas l'attendre. Et il dira, vous prierez la prière de la Asr chez les Bani Qurayza. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, cette phrase est importante, hein, vous prierez la prière de la Asr chez les Bani Qurayza, je vais revenir dessus. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il part avec des compagnons, et puis ensuite, il y a plusieurs petits groupes qui vont partir. Il y en a qui partent tout de suite après le Zohor, d'autres qui tardent un peu. Et il y a un groupe, justement, qui a même beaucoup tardé. Beaucoup tardé. Qui est parti, beaucoup plus tard après le Zohor, hein, juste avant la Asr, peut-être. Et sur la route, parce qu'il y avait quand même plusieurs heures de route, va venir l'heure de la prière. Et il y a un groupe de musulmans, de compagnons, qui va dire aux autres, qui sont dans le même groupe, on va faire la prière de la Asr. Mais les autres, ils disent, mais non, on ne peut pas. On ne peut pas parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous ferez la prière de la Asr en arrivant chez les Bani Qurayza. Or là, on n'est pas arrivé là-bas, on est sur la route. Et donc nous, on dit, hein, on va faire ce que le prophète, il a dit. Même si on arrive après le Maghrib, ou bien après la Isha, quand il fait nuit, hein, eh bien, c'est pas grave, on fera la prière de la Asr là-bas. Mais il y a des musulmans dans le groupe, des compagnons, ils vont dire, non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voulait qu'on accélère le pas, qu'on ne soit pas en retard, hein, et qu'on prie la Asr tranquillement quand on arrive chez les Bani Qurayza. Mais comme on est parti en retard, eh ben, la règle, c'est qu'on prie à l'heure, c'est-à-dire avant l'heure du Maghrib. Donc il y a des musulmans qui vont prier et d'autres qui ne vont pas prier. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient une superbe qualité. C'est que quand ils n'étaient pas d'accord, juste après, ils allaient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui exposer la problématique. Et c'est ce qu'ils vont faire ici, pour savoir qui a raison. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va donner raison aux deux groupes. Et oui, il va donner raison aux deux groupes. Et là, on apprend quelque chose qu'il ne faudra jamais, jamais oublier. C'est qu'en islam, il peut y avoir deux avis différents, radicalement même opposés, c'est le cas ici, entre ceux qui ont prié et ceux qui n'ont pas prié. Et les deux sont bons. Les deux vont rentrer dans le cadre de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et oui, c'est possible. Et donc, il faut faire très attention à ce point-là. Parce que très souvent, on estime qu'il y a un avis qui est bon dans le domaine juridique, par exemple, ou dans n'importe quel autre domaine comme le théologique, et tout le reste serait faux. Eh bien non, c'est pas comme ça. Il peut y avoir deux avis qui sont bons et agréés par Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, et je dis bien par contre, et là c'est important, ces deux avis-là sont fondés à partir des textes. Et oui, car ceux qui ont fait la prière, ils l'ont faite à l'heure, car c'est mawquta, comme Allah dit, hein, à salat, dans le Coran. Donc la salat se fait dans un moment précis. Donc elle doit se faire à l'heure. Pour la Asr, c'est entre l'heure de la Asr et le Maghrib. Non, pour faire simple. Non. Et donc ils ont, si vous voulez, ces compagnons qui ont prié, ils ont suivi le Coran et la volonté d'Allah. Le groupe qui n'a pas prié, eh ben, il n'a pas philosophé, hein, il n'a pas fait une analyse via les sciences profanes, une analyse anthropologique ou sociale, ah, pas du tout. Ils se sont référés à la sunna du prophète. C'est-à-dire, la sunna, c'est large. Il y a ses actes, ses approbations, mais on a aussi ses paroles. Et donc, le prophète Hassan a dit quelque chose et ils ont suivi ce qu'il a dit. Or, quand il a parlé, le prophète, il a parlé en tant que prophète. C'est un message qui était lié à l'islam.
Et donc, ils ont suivi le prophète, et ça aussi, c'est important. Car Allah dit dans le Coran, Ati'u Allah wa Ati'u Rasul, obéissez à Allah et obéissez à son messager. Donc, dès lors qu'on est dans cette obéissance globale et que dans cette obéissance générale, on a deux avis qui sont différents, les deux sont bons auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le reste, non, pas du tout. Sinon, on est en train de suivre nos passions, on est en train de suivre d'autres voies qui ne sont pas liées à la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dernière remarque, ou autre remarque importante, ces musulmans ne se sont pas disputés. Ils ne se sont pas insultés. Ils n'ont pas traité les autres d'égarés. Et ça aussi, c'est un problème à l'heure actuelle, où dans la communauté musulmane, parfois, il y a des gens qui sont trop sectaires. Parce que l'autre, il a un avis différent, ou l'autre, il est dans une école juridique différente. Pourtant, toutes les écoles juridiques hanafites, donc malikites, shafi'ites et hanbalites, hein, pour ne citer qu'elles, elles sont connues, elles sont célèbres, elles font référence. Elles se réfèrent tous au Coran, à la Sunna, au consensus, bon, bref, à des règles bien établies depuis les premiers siècles. Et donc, ce n'est pas une attitude positive que de s'injurier entre musulmans et entre croyants. On suit le savoir, on suit nos ulamas, on suit nos écoles juridiques, on suit bien entendu avant toute chose le Coran et la Sunna. Et par conséquent, d'ailleurs, si on a un avis prépondérant dans une école juridique qui est plus proche des textes qu'une autre école, ça, on peut en avoir une idée. Après coup, on est quand même au 21e siècle et les savants ont beaucoup parlé et écrit. Alors, bien entendu, on penchera toujours vers ce qui est lié au texte révélé par Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, apprenons, subhanallah, à nous respecter, nous, les musulmans, à nous écouter, à écouter les arguments des uns des autres, d'avoir un bon soupçon aussi et de ne pas traiter son prochain d'égaré ou bien d'ignorant, alors que son avis, il est quand même fondé sur des textes de l'islam ou bien sur les finalités de l'islam ou les finalités du Coran. Voilà. Et sachez ici aussi que on a deux grandes visions de l'interprétation qui vont naître de cette histoire. Ceux qui appliquent à la lettre, sont un peu littéralistes, ce que Dieu dit et ce que le prophète a dit. Eh bien, par rapport à l'histoire que je vous ai racontée, ce sont ceux qui n'ont pas prié du tout, car le prophète, il a donné un ordre. Vous prierez chez les Bani Qurayza. Et donc, ils n'ont pas cherché à comprendre les finalités, le pourquoi du comment. Et donc ça, c'est une des dynamiques qui va naître dans le domaine de la pensée musulmane, dans le domaine de l'ijtihad. Et vous avez, comment dire, l'autre groupe qui s'est plutôt attaché aux finalités. Et oui, ça, c'est une autre approche hein, de cette histoire-là. C'est-à-dire qu'ils ont cherché à comprendre ce qu'il y avait aussi derrière la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils souhaitaient qu'on presse le pas, qu'on accélère, qu'on ne traîne pas, etc. Et donc, les compagnons, ils étaient ainsi. Il y en avait qui étaient beaucoup plus dans la réflexion, dans la profondeur et dans l'analyse, comme Omar ibn al-Khattab, comme Ibn Mas'ud aussi, radiyallahu ta'ala anhumah, et d'autres étaient beaucoup plus attachés à la lettre. Et on pourrait citer ici Abdallah ibn Omar, le fils de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu. Et donc, c'est toutes ces différences qui font aujourd'hui notre belle communauté. Donc, apprenons à nous entendre, apprenons notre religion. Voilà, des fois, c'est notre ignorance des textes, notre ignorance de la vie du prophète, notre ignorance de l'islam qui nous amène à dire n'importe quoi, à nous montrer agressifs, parfois même vulgaires, et à condamner les uns et les autres, alors que nos actes sont souvent construits hein, sur les textes. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Donc, c'était une belle et importante, à mon sens, histoire pour que, Inch'Allah Ta'ala, hein, on revienne convenablement en ce mois béni dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je vous dis à très bientôt pour une autre intervention. Et n'hésitez pas à liker ma page Facebook, c'est ma page YouTube et non pas Facebook ou Facebook aussi en réalité, même Instagram, hein, puisque je suis aussi sur Instagram, Inch'Allah. Donc c'est important pour que ce message soit entendu par un maximum de croyants et de croyantes. Et ça sera un khair et un bien pour eux, Inch'Allah. Shukran jazilan et à très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullah.